influences bossa et des influences brésiliennes, on peut dire. Samedi, Valentino. Mais ce n'est pas la seule surprise, Laurent. Arrêtez de vous embrasser devant tout le monde. Parce que, regardez, oui, j'ai une autre surprise. Les Poetic Lovers, ouais. Les Poetic Lovers, vous l'avez dit. Eh oui. Mais non. Et passionnément, allons doucement, prenons notre temps, d'aller faisons l'amour ce soir, tous deux immergés dans le noir, car ton corps m'appelle, délire sensuel, des plaisirs charnels, avant que le jour se lève, avant que la nuit s'achève. Et passionnément, allons doucement, prenons notre temps. Les Poetic Lovers qui fêtent leurs 20 ans cette année, 20 ans de carrière, vont vous rejoindre, Laurent. Venez, 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 les garçons, venez, venez. Pendant ce temps, je vais demander à Sandy Valentino, c'est vrai qu'il y aura un nouvel album? Alors, on est sur l'écriture. De nouveaux titres, plutôt samba, reggaeton, voilà. Mais en tout cas, vous chantez toujours, pourquoi? Parce que c'est le tube, évidemment. Oui. Pourquoi? C'est obligé. Absolument. Vous êtes content de retrouver les Poetic Lovers, Laurent? Pourquoi? Et à l'époque, ça a été les premiers, en fait. C'était ça, parce que moi, j'avais plein de potes, donc on m'envoyait des cassettes. Et les jeunes artistes, les comiques, notamment les jeunes comiques, c'est pour ça qu'il y avait des graines de comiques. Et ils me disaient, Laurent, on n'a pas de place à la télé, on ne peut pas nous prendre à 20h30. Il y avait 6 chaînes et on a créé cette émission pour ça en fait, pour prendre des jeunes talents. Et moi, on me donnait des cassettes, des jeunes. Elle me disait, voilà, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Des cassettes, pardonnez-moi. Oui, c'est l'ancêtre du MP3, voilà. Les premiers ont été les Poetic Lovers. Sandy est arrivé très tôt après aussi, elle fait un carton avec ce titre. Et les garçons, après, bon, je les retrouve de temps en temps. Bah, vous pourrez le retrouver au Palais des Congrès du 9 au 11 novembre prochain dans la troupe de Notre-Dame de Paris, hein, c'est ça? On reprend Notre-Dame de Paris au Palais des Congrès, la célèbre comédie musicale signée Plamondon. Ouais, mais ça, oui, et ça c'est formidable quand même de voir les garçons comme ça. Vous avez vu cette harmonie vocale? Ah oui, la cappella. L'harmonie vocale est incroyable, ils ont un talent de fou. Et chacun était compositeur, puis les autres aussi, allez-y, faites leur promo. J'ai vu surtout que Marie-Lou Béric connaissait par cœur la chanson. Ouais, ouais. Alors, moi, je voulais vous remercier les gars, parce que le nombre de gonzesses que j'ai pu emballer... Merci. On va applaudir Sandy Valentino et les Poetic Lovers. Merci pour cette surprise. Et puisqu'on parle des souvenirs télé des uns et des autres, génial, ils en font partie. C'est Sandy Valentino. Et vous, Gérard, non? Des super souvenirs. Ah, c'est extrêmement touchant. Merci. Merci la production.